Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Stage Anubis. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée en fait. C'est voilà, je voulais en faire une en début d'après-midi et une plutôt vers le soir. Donc voilà, la première vidéo était un peu exceptionnelle parce que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu les boosters juste à côté d'une poubelle, le bol monstre. Et là je me suis dit comme vous l'avez pu le constater dans la précédente vidéo, que j'allais continuer le défi. Donc c'est l'étape numéro 14. Donc d'abord je tenais à remercier le 95e abonné. On n'est plus qu'à 5 personnes des 100 abonnés et de la petite surprise que je réserve, vous le savez déjà depuis un petit moment, aux 100 abonnés. Donc c'est parti, on va continuer. Bon, par contre, je vous avoue que je ne me souviens plus très bien. Alors je sais que là il y a une dresseuse de type plante. Donc avoir notre Brasegali, notre Griman ici, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc on l'a déjà. Je pense qu'on va aller les soigner. Et on va. Je crois qu'on va apprendre. Soigner. Et soigner, on va mettre. Non. Surf? On peut pas apprendre surf. D'accord. Bon, je cut, je soigne mes Pokémon, j'apprends surf à un Pokémon et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous revoilà. Là, je vais tout de suite vous montrer. J'ai enlevé Max Labinche et j'ai mis. Oui, je suis sérieux. J'ai oublié de soigner mon équipe. Mince. Bon, voilà, j'ai mis un Zigzaton. Oui, il peut apprendre surf. Un Zigzaton est très pratique. C'est une grosse merde, mais il peut apprendre toutes les CS qu'il veut. Donc je vais soigner mon équipe, je vais combattre les dresseurs, on se retrouve juste devant l'eau. A tout de suite. Et voilà, j'ai battu les deux dresseurs, oui, parce qu'en fait il n'y a que lui, avec un Ramboum et un Magnéti, et elle avec un Roselia et un Ortig. Donc comment vous dire qu'avec mon Brasegali, à part le Ramboum, sinon la blague elle n'a plus de sens, et je les ai un peu fumés. Voilà, donc ceux qui ont compris la blague, c'est bien, sinon voilà. Donc on va enfin pouvoir utiliser Surf depuis le temps. Waouh, Zigzaton qui utilise Surf, mais quel magnifique. Hop, et là, on cut jusqu'à la prochaine. Je crois qu'il va avoir un truc avec Latias et Pierre, mais je vais pas mettre de plan sur la comète. Dès qu'il y a un truc, je vous mets la vidéo. Et voilà, je savais qu'il allait y avoir Pierre, donc j'ai combattu des journalistes, un pêcheur, je les ai tous butés, mais c'était trop facile. N'empêche que mon Brasegali, il a pris un peu cher, et là, voilà Pierre. Et je ne veux pas vous spoiler, je pense que je l'ai déjà fait juste avant, mais bon, c'est pas très grave. Salut! Ça faisait bien longtemps. On s'est rencontrés dans la grotte Granit, tu te souviens? Et tu t'appelles Sachanobis, c'est bien ça? Content de voir que ton voyage semble bien se dérouler. À propos, le monde regorge de Pokémon de types variés, tous plus différents les uns que les autres. Certains aiment élever des Pokémon de types différents alors que d'autres ont une liste de favoris. Et toi, en tant que dresseur, qu'en penses-tu? À vrai dire, je ne devrais pas m'en préoccuper. Mais tu m'intrigues, je ne peux pas faire comme si tu n'étais qu'un dresseur ordinaire. Sur ce, je m'en vais, j'espère que nous nous reverrons. Je mets le son. Tios! Parce que là, ça va être intéressant. Regardez bien. La Tios! Oui. Est-ce qu'on va le capturer? Non, on peut pas. Je vous enlève vos espoirs, là. Mais. Latios. Tios. Désolé pour l'imitation de Latios. Tu nous demandes de monter sur ton dos? Sachanobis, viens avec moi. On dirait que Latios souhaite qu'on lui vienne en aide. Très bien, en route. Tios. Après, c'est quand même bien réussi, je trouve. Ça, c'est la musique. Quand on est dans le jeu des mots, exactement la même cinématique. Sauf que non, il y a des fois avec Latios, des fois avec Latias. «
Nous y voilà. Merci, Latios. On t'arrête de chercher, il n'y a personne. Quel est ce sentiment qui m'envahit? Ce n'est ni de la peur ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. C'est très étrange, comme si je rêvais tout éveillé. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. Deux Pokémon protégeant les secrets d'une évolution particulière, la Méga Évolution, vivraient sur cette île. Je suppose que cela fait d'elle une cible rêvée pour des individus peu recommandables. Quoi qu'il en soit, reprenons notre route. Ok, donc tu me laisses... Ok, d'accord. Donc, je vais enlever le son. Voilà. Donc, voici mon équipe après. Bon, Zigzaton, je peux pas trop l'enlever. Mais bon, il est que niveau 16, donc ça va. Bon, s'il évolue après, je sais qu'il peut apprendre toutes les CS. Donc ça, c'est quand même pas mal. Quitte à enlever une CS à Gardevoir et un golem de fer et les mettre à Zigzaton, ça pourrait être pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop ce qui nous préoccupe. Pour l'instant, on va juste soigner notre Greyman. Alors, hyper potion. Je sais pas si c'est très intelligent. Ouais, non, on va plutôt faire ça. Voilà. On n'aura pas toute notre vie, mais bon, au moins, je sais ce qui va arriver après. Au moins, on sait, on est préparé. Et au pire, on a notre garde-voir qui peut nous couvrir. Hop. Ce sont l'où venir estomp cherche et ravageant le cœur. J'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Ceux dont les souvenirs s'estompent cherchent à les graver dans leur cœur. D'accord, si tu veux. Et là, vous allez voir un truc. Oh, un Latias, magnifique, on va pouvoir le capturer. Latias, quelle majesté. Si je devais le comparer à une pierre, ce serait comme une pierre soleil. Non, plus brillant, cet éclat, tel une pierre robe. Il est peut-être aussi beau qu'un Pokémon de type acier. Ouais, comme par hasard, toi t'es le maître de la ligue. Ah, pardon, pour le spoil. Ouais, non, Pokémon type acier, voilà, voilà. Vous savez à quoi vous attendre comme ça. Oh non, on peut pas le capturer, parce qu'il y a des punaises de team à quoi qui nous barrent le chemin. Tiens, la team à quoi? Je vois, Latias savait que ces scélérats viendraient pour ça. Qu'il nous a appelé. C'est pour ça qu'il nous a appelé. Hein? Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Quoi? Chef, le nabo là, c'est lui qui nous a rossé. Cette saleté n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Et attendez, je vais un peu baisser le son et pour ça faut que je cut un petit peu. Attendez. Et le charmant monsieur qui l'accompagne ne m'est pas tout à fait inconnu. Où ai-je bien pu voir un si bel homme? C'est une star des concours Pokémon? Oh oh oh, peu importe les détails, on s'en fiche. Je me nomme Mathieu, et oui, le Mathieu, le bras droit du chef de la team Aqua. Tremblez! Ouh, j'ai peur. Bon, assez blablaté, laissez-moi attraper ce Latias derrière vous. Et aussi la jolie méga gemme qu'il trimballe. Waouh, comme si je savais pas qu'il avait une Latiacite, le Latias. Ah, pardon pour le spoil. On a besoin du pouvoir absolu des méga évolutions pour mener à bien l'ambition de la team Aqua. Alors, vous allez vous pousser bien gentiment? Hors de question, oui, oui, on va vous obéir. Oui, oui, on va vous obéir, mais en fait, non, non, parce qu'on n'a pas envie. Bravo, bien répondu. Je vais me battre moi aussi. Nous devons les protéger de ces... Nous devons les... Oui, les protéger de ces vauriens. Des êtres si vils ne doivent pas mettre la main ni Latias, ni sur Latias, ni sur la mégagène. Bouh, ha, ha, grand fou, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, c'est plutôt toi qui vas voir ce que tu vas voir. Espèce de grand fou malade. Sbire de la team Aqua, Mathieu, l'admin de la team Aqua veulent se battre. Tadmorv et Sharpedo. Bon bah... Aïe. Ah, son Métang. Son Métang. Oh, qui va... Non, je vais rien dire. J'en ai déjà trop dit. Bon, je vais faire un double pied sur ce punaise de Sharpedo.
Ah, yes. Voilà, parfait. Bon, je perds un peu de vie avec la peau dure, mais au moins je suis sûr de lutter. Ça, c'est cool. Hop. Et mon Zigzaton qui passe au niveau 17. Il veut apprendre Lance-Boue et c'est pour ça que... Bah oui, je vais l'apprendre. Allez, vas-y. Ah, il a coupe aussi. Bon, allez, contre coup de boule, on s'en fiche. Ah, est-ce qu'il va le buter? Oui. Parfait. On s'est occupé. Bon, j'ai parlé pas en télépathie avec mes tangs. Hein. Oui, c'est bien mon habitude. Hein. Ils ne rigolent pas ceux-là. Ils ont. Après, j'ai pas eu le temps de lire ce que j'ai zappé vite. Bouhaha. C'est ce qui s'appelle perdre en beauté. Ok, un peu de Pokédollar, ça fait du bien. Mouhaha, attends, quoi? Bouhaha, quelle force! Ça ne manque pas de piquant tout ça. J'aime ça, des dresseurs qui sortent les griffes et qui ne s'en laissent pas compter. Ouh, j'adore! Notre leader adoré Arthur est comme ça aussi, un vrai chafreux sauvage, c'est pour ça qu'on l'aime. Du coup, je vais vous réserver une toute petite place dans mon cœur à vous aussi. La prochaine fois que je vous vois, je vous écrase. Comme ça, vous ne perdrez pas trop d'espace. Vous ne prendrez pas trop d'espace. Ah, lol. On remballe. Allez, hop, hop, hop. Un peu de nerf, la freuse. Oui, chef. Vous savez quoi? Je sais pas si Nathanael Animé va regarder cette vidéo. Mais je crois que je vais laisser le Zigzaton dans mon équipe. Comme ça. J'aurai toutes les CS à coup sûr, bah avec le Zigzaton, je pourrais l'échanger quand je vous... Ah non, j'ai rien dit. Bon, je vais quand même laisser le Zigzaton pour l'instant. C'est le Latias, et ben on va le mettre dans notre équipe aussi, il pourra nous être utile. Piu! Beau travail, mon brave Sachanobis. Ah oui, n'oublions pas de redonner des forces à tes Pokémon, ils se sont bien battus. Tain! Voilà. Notre équipe a été soignée, tu t'es vraiment démené. C'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon et la Méga Gemme qui le tient. Tias. J'ai même l'impression que Latias t'a reconnu comme un dresseur digne de confiance. Regarde, il semble te faire allégeance. Je crois qu'il a envie de parcourir le monde avec toi. Vas-y, tends-lui la main. Waouh! Comme par hasard. Je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout! Si, en fait, si. Bon, qui est-ce qu'on va envoyer dans les boîtes PC? Alors franchement, je me le demande parce que elle est quand même pas mal notre team. Donc, Zigzaton. Voilà, tant pis pour lui, il avait qu'à pas faire le malin. Alors, un surnom à la tiasse, bah oui, allez. Alors, on va l'appeler... attendez, je cherche... Ça y est, j'ai trouvé. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Help Victim. Ah, tout simplement parce que c'est un Pokémon légendaire ou fabuleux. Bon, ça dépend les personnes. Moi, je dis que c'est un Pokémon légendaire. Il a une méga gemme, donc il peut méga évoluer. Et ben, il a besoin de nous pour se défendre. Donc, Help Victim, je pense que c'est bon. Voulez-vous le surnommer Help Victim? Bien sûr que oui. Tiens, une latiacite. Waouh. Ah bon? Oh, il a disparu. Il y en a une dans mon équipe. Tu mérites aussi quelque chose de ma part. Prends ceci. Et comme je connais le générique, enfin l'histoire par cœur, il va me donner Oh, le méga bracelet. Oh my god, il m'a donné le méga bracelet, je m'y attendais pas du tout. Pour les petites vannes que je fais, pour l'histoire, je vous aide pour toutes les étapes, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, plus que 5 personnes avant les 100 abonnés, avant la surprise que je réserve.
Ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle est, on va dire, à peu près prête. Et j'aimerais bien la sortir, mais tant que j'ai pas mes 100 abonnés, je ne peux pas. Donc partagez, partagez et abonnez-vous. Likez aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Lorsqu'un lien fort se crée entre ce méga bracelet et une méga gemme tenue par un Pokémon, celui-ci peut accroître sa puissance. C'est un phénomène différent d'une simple évolution. On appelle ça une méga évolution. La prochaine fois que tu te combattras aux côtés de Latias, tu n'as qu'à l'essayer. Tu n'as qu'à essayer. La méga évolution est aujourd'hui encore un phénomène entouré de mystères. Que sont les méga gemmes et les gemmes sésame? Quelle est donc cette énergie qui garantit au dresseur et à son Pokémon une force nouvelle? D'où vient-elle? Enfin, arrête du blabla là. La réponse à ces questions se trouve, je l'espère, dans le méga bracelet que tu viens de recevoir. Qui sait? Allez, rentrons, Latios nous attend dehors. Waouh, on est déjà dehors. Qu'est-ce que tu me baragouines? Oh! Vas-y, ramène-nous. Beau travail, Sacha Nobis. Tios, allez, tios! Je pense qu'il te demande de prendre soin de Latias. Logique, c'est sa sœur. Tios! Allez, tchuss, enfin! Ouf! Libéré de ce calvaire. Non, je rigole. Tu m'as épaté cette fois-ci. Tes compétences dépassent tout ce que j'ai imaginé. Avec un potentiel pareil, tu peux sans problème t'aventurer sur la route 119 qui mène à Simetronel et te lancer à l'assaut de son arène. Allez, arène de type vol. Donc je pense déjà que... je pense que j'ai un Pokémon bon pour ça. Avec mon Brazegali qui a ton broche déjà. J'ai hâte de voir à quel point tu as progressé lorsque nous nous croiserons de nouveau. Sur ce, à plus tard, Sacha Nobis. Merci d'enfin me laisser tranquille. Punaise, j'avais pas d'espace vital. Enfin, j'avais pas d'espace. J'ai pas le droit de vivre ma vie en fait. Donc, je voulais faire cette fois-ci une vidéo un peu plus courte. Donc, ça me permet de faire mes trucs de fin de vidéo. Donc. La vidéo est finie, n'hésitez surtout pas à liker, je l'ai dit un peu avant dans la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à partager, j'espère qu'elle vous a cette vidéo vous a aidé à avancer dans le jeu. Et sur ce, on se dit à la semaine... Ah non, à mercredi. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Parce que je pense que ma prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera mercredi. Mettez-moi dans les commentaires si vous préférez 1. Que je sorte une ouverture de booster, une ouverture de pack que j'ai eu à mon anniversaire, ou si vous préférez un match commenté. Du coup, ce sera le match commenté 2. Donc voilà, dites-moi si vous préférez une ouverture de booster en une ouverture de pack en 1 ou un match commenté en 2. Voilà, donc je prendrai celui qui a le plus de vues, on va dire. Ce sera une sorte de petit sondage un peu par commentaire, tant que je n'ai pas la possibilité de le faire autrement. Et du coup, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et c'est vous qui déciderez. Allez, ciao !